Vous êtes architecte, décorateur ou designer, je vous conseille vivement de passer à Blender. Vous souhaitez passer à Blender mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne parlez pas anglais et ça vous paraît super compliqué. Je le comprends très bien, je suis passé par là, j'étais modélisateur 3D sur d'autres logiciels et Blender me paraissait être une usine à gaz. Simplement, vous avez besoin d'apprendre certains outils nécessaires à votre corps de métier. En maîtrisant Blender pour l'architecture, vous pouvez dire adieu à tous les logiciels que vous payez extrêmement cher. Blender permet tout type de modélisation 3D. C'est un logiciel extrêmement adapté pour le rendu architectural ou le rendu de décoration d'intérieur. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Timothée, je suis modélisateur 3D et perspectiviste et j'enseigne dans les écoles d'architecture parisienne. Blender est en train de révolutionner le marché. Il est gratuit et super puissant. Je vous montre par exemple, chiffres à l'appui, l'évolution des recherches entre SketchUp 3D et Blender 3D. On voit que Blender 3D est en train de prendre son envol depuis son changement d'interface vers quelque chose de beaucoup plus accessible. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une formation complète Blender pour l'architecture et la décoration d'intérieur. Cette formation est en vidéo, 100% accessible en ligne à durée illimitée. Elle est pour tout le monde, elle est progressive. Nous découvrirons ensemble l'interface Blender et ses outils principaux. Et ensuite, on passera direct à des cas pratiques. Je vous apprendrai par exemple comment modéliser des objets 3D divers et variés, des meubles à partir de photos de référence, des meubles à partir de plans. Et ensuite, on passera sur deux projets bien plus conséquents. On importera un plan 2D sur Blender et on modélisera les murs jusqu'aux objets, jusqu'au rendu photoréaliste en photo et en vidéo. Et c'est pas tout. À la fin, je vous montrerai comment importer un modèle 3D d'un autre logiciel pour faire un rendu d'extérieur. Ça marche aussi pour les rendus d'intérieur, mais ça me paraît hyper important de vous montrer comment faire des rendus extérieurs avec de beaux paysages et une bonne végétation. On en profitera aussi pour découvrir le plugin Archimesh qui permet de faire plus ou moins ce que vous pouvez faire sur d'autres logiciels de 3D comme SketchUp. La formation est 100% en ligne, vous pourrez télécharger vos fichiers de cours directement dans votre espace et suivre la formation en vidéo n'importe où sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. De mon côté, je reste disponible par mail pour répondre à vos éventuelles questions et même corriger parfois vos petites erreurs. Cette formation n'est pas pour tout le monde, elle est principalement axée pour les professionnels. Mais si vous voulez simplement maîtriser Blender pour le côté architecture, pour pouvoir modéliser des décors, c'est très intéressant de la faire. Vous apprendrez avec moi la modélisation Art Surface de base. Vous ne prenez pas de risque puisque la formation, comme d'habitude avec mes formations, sont remboursables 30 jours après l'achat si jamais ça ne vous plaît pas. Je vous dis à tout de suite dans cette formation Blender pour l'architecture. Vous verrez, il y a des paiements en plusieurs fois si jamais vous êtes à court de crédit en ce moment. Je vous dis à tout de suite dans cette formation Blender pour l'architecture. Ciao!